SFM Bâche vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 07 07 47 37. SFM Bâche, votre événement, notre engagement. Yo la famille, c'est comment? J'espère que vous allez très très bien. Moi je vais super 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 très bien. J'espère que votre semaine se déroule très bien aussi. Moi en tout cas, aujourd'hui je bouge pas, je suis à la maison. Donc je profite de vous faire cette petite vidéo là, une petite vidéo rapide où je vais aborder deux sujets rapidement, brièvement, voilà, parce que je ne vais pas durer. Le premier sujet, c'est le truc, le pando coulé du DJ Rafat qui est sorti, je crois, il y a trois jours. Et c'est déjà disponible sur toutes les plateformes payantes. Vous pouvez aller écouter, réécouter. La souscription n'est pas chère, voilà, Il suffit d'avoir une carte bleue, voilà. Et puis bon, tranquille, quoi. Vous pouvez d'abord télécharger même les trucs, les applications de ces différentes plateformes de téléchargement légal là. Et puis tranquille, voilà, plus vous écoutez, c'est du stream, et puis on peut faire beaucoup de surprises, voilà, le son est vraiment bon, le son est franchement bon, je l'ai déjà écouté en intégralité, donc pour ce fait là, je vais faire un big up à un de mes amis chinois, un grand fan de DJ Rafat, monsieur Lemon Ouattara, voilà, dit Momo, voilà, c'est lui qui m'a fait écouter le son, je crois, 5 minutes après la sortie. Ils sont sur, je crois, 10 heures. Voilà, donc j'invite toute la Chine, voilà, à aller s'abonner massivement parce que ne pensez pas que j'allais venir mettre l'audio sur ma chaîne ici. C'est pas de mon goût et ça, je condamne ça. Je ne suis pas ce genre de fan là, mais je ne suis pas ce genre de personne là qui aime saboter les artistes. J'ai pas cet esprit là. Donc, je fais cette vidéo là pour vous demander d'aller massivement sur les trucs sites de téléchargement légal pour écouter, si possible, acheter le single qui est sorti parce que c'est vraiment une tuerie. Franchement, beaucoup sont en train de dire que DJ Rafat est fini, mais les gars, je suis pas en train de vous chose mentir, hein, il est toujours là, il est vraiment là, et puis il a prouvé dans son pando coulé. Donc si vous voulez vraiment écouter le son et reconnaître que ce que je suis en train de dire, c'est pas du pipeau, c'est pas du mensonge, allez écouter. J'ai mis le lien de truc du son où vous pouvez aller cliquer. C'est en description, en dessous de ma vidéo. Vous pouvez aller cliquer, puis écouter, réécouter le son. Ça fait pas de mal. Franchement, si tu avais des écouteurs, c'est encore parfait. Voilà. Donc, c'était ma vidéo du jour. Et puis, il y a beaucoup qui disent que des Bordeaux n'a pas de son. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui voyez. Mais une chose est sûre, il vous fera danser. Voilà, on est tous impatients comme vous, hein. Très impatients. Moi, je suis très impatient. Hier même, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que je n'étais pas content. Mais je suis impatient. Et puis, je sais que mon artiste ne va pas me décevoir. Je sais qu'il ne va pas décevoir la Légion. Ça, c'est sûr. Voilà, donc les fans de la Légion, les plus gamés, restez toujours gamés, puis restez connectés. Voilà, c'est pour bientôt. C'est pour très, très bientôt. Voilà. Je crois dans un truc, dans le courant de la journée, je vais vous faire écouter un petit bout de ce qui arrive. Voilà, un petit bout du son de Bordeaux. Vous allez comprendre. Voilà, c'est Baby Philippe qui fait toujours les arrangements. Donc vous allez imaginer un peu ce qui va venir. Si vous pensez que c'est du pipeau, parlez. Voilà, de Bordeaux ne tape jamais un poteau. Quand il dit viens, il vient et il tue toujours. Voilà, bref. Fini le débat, je vais lancer deux petits messages aux fans de la Chine. Bon, les Chinois, excusez-moi, hein, j'ai pas envie de prononcer le nom de quelqu'un ici, mais puisque c'est fait appeler ministre, voilà, j'aimerais bien le recadrer rapidement. Soyons francs. Le mec là, vous le suivez là, c'est pas parce qu'il dit quelque chose de réfléchi ou bien quelque chose de bon, hein. Moi je dis toujours, c'est pas ça qu'on appelle défense en artiste. Quand tu prends une caméra et tu passes tout ton temps à insulter les gens, à insulter n'importe qui, n'importe comment et n'importe où, franchement, je pense pas à ça. Je pense pas que c'est ça qu'on appelle fan en fait. Je pense pas. Voilà. Honnêtement, je sais que, comme c'est le mec qui fait beaucoup de bruit dans ses vidéos, il fait beaucoup beaucoup le clown dans ses vidéos, donc vous aimez ça, donc vous le suivez. Et dès lors qu'il dit qu'il est le défenseur de DJ Rafat, il n'y a pas de problème, vous le suivez. Mais au fond, vous savez que c'est pas comme ça qu'on s'exprime vis-à-vis des gens, en fait. Voilà. Je sais pas s'il pense qu'il est trop arrivé. Sache que moi, personnellement, j'aime bien la paix, en fait. Voilà. Donc si tu as vu dans une de mes vidéos, j'ai demandé à ce qu'on passe la paix. C'est-à-dire que j'ai une grandeur d'esprit. Je ne suis pas aussi coincé comme toi dans la tête. Non, je suis très ouvert d'esprit. Et puis, sache que moi, je n'ai rien contre toi. Et comme tu as dit que tu n'as pas notre temps. Justement, quand tu regardes mon visage, tu me regardes bien. Tu sais que toi, tu ne peux jamais être mon camarade. Honnêtement même. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais tu ne peux jamais être mon camarade. Honnêtement même.
parce que t'es pas beau. Je sais pas pourquoi tu penses que tu es beau. Non, non, en Côte d'Ivoire ici, il faut remonter. Je suis pas en bank. Voilà, il n'y a pas besoin de climat agréable pour avoir un joli teint. Non, 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 non. Mais je pense que je suis frais que toi. Voilà. Et puis arrête de mettre les effets dans tes vidéos là. Voilà, tu sais pas si tu es tchatcho ou tout ça. Faut arrêter ça, hein. Tu n'as pas notre temps, d'accord, il n'y a pas de problème, mais sache que moi personnellement, je n'ai pas ton temps. Et puis il y a beaucoup de fans de la Légion qui ne veulent même pas être amis avec toi. Parce que quelqu'un qui n'a rien dans sa cervelle, à quoi de vouloir être ami avec lui? Voilà, honnêtement. Moi, je parle pas tout du pot, hein. Voilà. Tant que tu t'adresseras à mon artiste comme ton ami, je vais toujours te dire la vérité. Parce que Debordeaux, effectivement, c'est pas ton ami. Tu ne comptes même pas dans ce showbiz-là. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Ta seule chance, tu comprends? Ta seule chance, c'est que DJ Rafat t'a donné un coup de pouce. Voilà. En reconnaissant ton travail, en reconnaissant ce que tu fais. Ça s'arrête là. Sinon, pas ça, tu ne comptes pas. Hein? Tu ne comptes vraiment pas. Je pense que c'est quand tu insultes, là, on appelle ça mettre les pendules à l'heure ou bien on va dire quoi? Tu es trop déréglé. Non, non, non. Sois tranquille, sois posé. Hein? Sois posé. Il faut pas t'emmerder. Faut pas t'emmerder. Il faut pas te créer des ennemis pour rien, en fait. Voilà. Faut trouver les mots. Faut placer les mots où il faut. Voilà. Mais honnêtement, je pense que toi, tu as beaucoup à faire encore, tu as beaucoup à apprendre parce que tu as un manque de savoir-vivre. Voilà, apparemment tu es arrivé dans l'Eldorado de l'autre côté, on baigne, mais là, c'est encore coincé. Tu as toujours cette mentalité que tu as traînée depuis à Bobo, là, c'est toujours là encore. Donc moi, je comprends. Je ne peux pas t'en vouloir en fait. Il faut te calmer. Parce que tu n'es rien en fait. J'ai l'impression que toi, tu penses que tu es trop arrivé, tu es trop toi, tu es trop fort en fait. Mais tu ne comptes pas. Je le répète encore, tu ne comptes vraiment pas. Faut te calmer. Sache que nous les fans, les Debordeaux, la Légion, les vrais fans les plus gamés, on ne te valide même pas. On n'a pas besoin de toi. Voilà, dans notre mouvement. Voilà. Moi, je supporte, je défends DJ Arafat parce que simplement, il est en de bons termes avec mon artiste Debordeaux. Voilà. Moi, je suis réfléchi. Je ne suis pas bloqué dans la tête. Voilà. Ce n'est pas une histoire de. Parce que DJ Arafat en parlable avec lui, mon artiste ne va pas les causer avec des personnes, même, ne va pas marcher avec des personnes. Ça l'a oublié. Tant qu'il aura l'occasion de marcher avec des choses de Mola et autres, il va le faire bien. Voilà. Donc, continuez à raconter ce que vous voulez raconter, surtout toi. J'espère que tu as compris ce message-là. J'ai été poli, mais je t'ai montré que tu n'es pas trop ce que tu penses, quoi. Voilà. Que Dieu vous bénisse et très bonne semaine à toutes et à tous. On est ensemble.